Shalom bien-aimé, bienvenue dans ton programme C'est pour moi. Et nous sommes dans une nouvelle série. Je suis venue te dire, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Je suis dans 1 Samuel 14, le verset 47. La Bible dit, après que Saül eut pris possession de la royauté sur Israël, il fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, à Moab, aux enfants d'Ammon et à Édom, au roi des Tsoba et aux Philistins. J'aime la dernière phrase. La Bible dit, et partout où il s'est montré, il était vainqueur. Je suis venu te dire que tu es vainqueur. N'aie pas peur par rapport à toutes les mauvaises pensées qui viennent la nuit lorsque tu dors, qui viennent lorsque tu es seul pour dire que tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à atteindre cette dimension que tu attends dans la foi avec Dieu. Bien-aimés, toutes ces personnes qui sont grands aujourd'hui ont commencé petit. Et ce que j'aimerais te dire, c'est que tu es vainqueur. Bien-aimés, si dans l'ancienne alliance, quelqu'un pouvait faire des choses et partout où il allait, il pouvait être vainqueur. À combien plus forte raison dans cette nouvelle alliance, je suis venu te dire que tu es vainqueur. C'est-à-dire la dimension que tu veux atteindre dans la foi, je suis venu te dire que tu vas l'atteindre. Tu vas vaincre parce que Dieu est avec toi. Tu vas vaincre parce que celui qu'on appelle Jésus, qui a vaincu à la croix, est avec toi. Il faut que tu puisses y aller avec cette garantie de te dire que je suis vainqueur. C'est pour cela que je te réveille, je te bouge. C'est comme si tu étais en face de moi, je te dis, tu es vainqueur. Tu n'as pas d'autre choix que d'avancer parce que tu es vainqueur. C'est vraiment la petite phrase que je viens de te dire aujourd'hui. Tu es vainqueur. Ne l'oublie pas. Que Dieu te bénisse.